La géométrie algébrique à Orsay est florissante. J'ai eu la chance de la voir naître dans les années 60 et s'épanouir dans les années 70, 80, 90. Et j'aimerais tout simplement retracer son histoire telle que je l'ai vécue au travers de mon itinéraire personnel. Donc je serai à la fois historien et acteur, ce qui est évidemment un petit peu embarrassant, qui n'est pas idéal non plus pour l'objectivité, mais j'expliquerai comment j'ai vu les choses se faire. Et je me bornerai à la période de début ou milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 90 et au début des années 2000. D'autres, je pense, pourront, le moment venu, parler de l'évolution de la géométrie algébrique à Orsay à partir de 2000. Dans les années 60, la géométrie algébrique, pour l'essentiel, se faisait à Bure-sur-Yvette, à l'IHES, autour de Grothendieck et de ses élèves. Grothendieck, à la fin des années 50, avait entrepris une vaste refondation de toute la géométrie algébrique qui englobait l'arithmétique, la théorie des schémas. Dans des exposés au séminaire Bourbaki, il avait expliqué comment construire des objets géométriques en représentant des foncteurs. Il rédigeait avec Dieudonné des éléments de géométrie algébrique, un traité de plusieurs milliers de pages. Et chaque année, il organisait à l'IHES le séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie. Le Bois-Marie, c'était l'endroit où se trouvait l'IHES, où se trouve toujours d'ailleurs. Et ce sont les fameux SGA, séminaire géométrie algébrique. Chaque année, il y avait un nouveau thème, un nouveau chantier. C'était une aventure tout à fait extraordinaire, exaltante, et je dois dire que j'ai eu un grand privilège de pouvoir y participer. Je voudrais expliquer comment les choses se sont faites, comment j'ai rencontré Grothendieck. J'ai rencontré Grothendieck grâce à Henri Cartan. Donc en 1963, je sortais de l'école normale, la rue d'Ulm, et comme cela se faisait quelquefois à l'époque, Reynaud d'ailleurs en a parlé dans son entretien, j'avais été sur ma bonne mine, nommé au CNRS comme stagiaire de recherche. Bien sûr, aucun résultat, aucune publication, rien. Et en 63-64, se tenait à l'école normale le dernier des séminaires Cartan, où cette fois Cartan était binommé avec Laurent Schwartz. Le thème, c'était la formule de l'indice d'Attila Singer. Bon, c'était une formule toute récente, profonde, très inattendue, qui reliait analyse et topologie. La formule est compliquée et la démonstration est longue et difficile, mais malgré tout, je peux énoncer la formule. Comme toutes les formules mathématiques, elle s'écrit A égale B. Qu'est-ce que c'est que A? Eh bien, on a une variété compacte et infinie, et dessus, on a un opérateur elliptique. Alors, des théorèmes d'analyse montrent que son noyau et son connoyau sont des espaces vectoriels complexes de dimension finie, et petit a est la différence, dimension du noyau moins dimension du connoyau. C'est donc un entier. Et le petit b est plus difficile, c'est une certaine intégrale de classe caractéristique sur la variété, qui ressemble un peu au second membre de la formule de Riemann-Rohr qui avait été démontrée par Hirzebruch en 1955
et généralisé au correlatif en 57 par Grothendieck. Donc j'avais fait des exposés dans le séminaire. Je ne savais pas grand-chose en analyse, ni en topologie d'ailleurs, mais Cartan préparait ses étudiants, on participait au séminaire, il n'y avait pas de boîte noire, le séminaire durait toute l'année, et au bout du compte, on avait démontré la formule d'Attila Singer. Donc, j'ai apporté quelques petites améliorations, ici ou là, et puis... Vers la fin du séminaire, Cartan m'a dit, écoutez, j'ai peut-être un sujet de thèse à vous proposer. Pourquoi ne voudriez pas essayer de faire la formule en famille, c'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule variété et un seul opérateur, eh ben, on a une famille de variétés compactes, c'est infini, paramétrées par un espace de paramètres S. Et on a aussi une famille d'opérateurs sur cette famille de variétés paramétrée par S. Et donc, il s'agissait en quelque sorte de faire pour Attila Singer ce que Grothendieck avait fait pour Riemann-Rohr, passer du cas absolu au cas relatif. Alors, bon, il y avait une première difficulté qui était la définition tout simplement des termes A et B. Dans le cas initial, petit a, c'est un entier. Ici, on a un espace de paramètres S, et il était vite apparu que ce n'était pas un entier qu'on allait définir, mais en fait, un certain invariant dans un groupe de cas théories de Grothendieck, groupe de Grothendieck, de l'espace de paramètres S. De telle manière qu'en chaque point, eh bien, le rang de cet élément devait être l'entier correspondant, l'entier petit a correspondant au noyau moins co-noyau pour la variété, pour la valeur petit s du paramètre. Alors, j'avais bien essayé de faire certaines constructions complexes de fibrés, hilbertien, à cohomologie de dimension finie, mais finalement je ne m'en sortais pas. Et alors Cartan m'a dit, bah, écoutez, vous devriez aller prendre conseil de Grothendieck. C'est vrai que Grothendieck était le prince pour ce qui concerne passer d'une situation absolue à une situation relative, et donc c'était évidemment tout indiqué que j'aille le voir. Je l'avais en fait croisé, il assistait parfois au séminaire Cartan, je l'avais aussi croisé, je crois, au Collège de France, au cours de Serres, mais je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Donc j'ai pris rendez-vous, c'était au mois de juin, je me rappelle, il faisait beau et il m'a reçu dans son bureau à l'IHES. J'étais très impressionné, bon, un monument, évidemment. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter. Donc, en tout cas, je lui ai exposé mon problème. Alors, il m'a dit, les fibrés, c'est bien, mais vous devriez mettre des faisceaux. Et là, il s'est lancé dans des grandes considérations sur les complexes pseudo-cohérents et de tordimension finie. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, mais à l'époque, ça ne me disait pas grand-chose non plus. J'étais un peu perdu. Et aussi, je trouvais curieux qu'en analyse réelle, on mette des faisceaux dans le coup. Bien sûr, il y avait des faisceaux en géométrie analytique complexe, Cartan, Serre, etc. Mais en analyse réelle, pas du tout. Ça devait, en fait, se faire bien plus tard, dans les années... dans les années 70, autour de Kashiwara, Shapira, pour les théories d'équations différentielles linéaires, ou dérivées partielles linéaires. Mais à l'époque, c'était tout nouveau, et donc j'ai écouté, je n'ai pas vraiment compris, mais à la fin, Grothendieck m'a dit, bah, écoutez, à l'automne, je vais commencer le séminaire SGA5, il ne s'appelait pas encore SGA5, c'était le séminaire sur cohomologie éladique et fonction L. Et si vous voulez bien, rédiger les premiers exposés.
Je lui ai dit, mais écoutez, je ne sais presque rien, je mettrai algébrique, c'est la vérité. Hein. Il m'a dit, non, non, vous allez apprendre, il n'y a pas de problème. Bon, et finalement, en octobre, le séminaire a commencé, et effectivement, j'avais pas les bases, mais comme je crois Reynaud l'a expliqué dans son entretien, Grothendieck avait le don de la clarté. Il écrivait tout, il était précis, il était méthodique, et surtout il avait un dynamisme absolument extraordinaire. On était en quelque sorte enlevé par son exposé. Donc je pouvais prendre des notes, je prenais tout en notes. Naturellement, sur le moment, je ne comprenais pas, mais ensuite je revoyais mes notes. Petit à petit, je les comprenais, je bouchais les trous, et finalement, au bout de 2 mois, j'avais pu présenter une rédaction qui était relativement acceptable. Alors, le séminaire, hein, c'était des séminaires à thème, comme le séminaire Cartan, donc c'était là le début de SGA5, c'était la dualité, d'abord dualité globale, puis dualité locale, et donc il y avait par derrière toute la cosmologie étale. Et bien entendu, je n'avais pas encore eu le temps de comprendre toutes les bases, mais petit à petit, donc les théorèmes principaux qui avaient été faits dans le séminaire précédent, le séminaire SGA4 avec Artine et Verdier, mais petit à petit, je me suis mis dans le bain. Alors, comment se passaient ces séminaires? Je me rappelle, c'était le mardi après-midi. Je crois que c'était à 14h15. Et l'exposé, bon, c'était Grothendieck qui parlait tout le temps pour la première partie de SGA5. Et l'exposé durait 1h30 et après, on allait prendre le thé au salon. Donc c'était l'occasion au salon de parler avec les uns et les autres, de ce qu'on faisait, etc. Donc, j'y rencontre Michel Reynaud, qui était entré à l'école un an avant moi, et avec qui j'avais un peu échangé, d'ailleurs, du temps que j'étais à l'école. Je sais qu'il m'avait impressionné parce qu'il avait réussi à lire le livre de Lang sur les variétés abéliennes. C'était un livre écrit dans le langage de Veil, une langue qui m'est imperméable, je dois dire, qui m'était imperméable à l'époque et qui l'est restée, je dois l'avouer. Mais lui, il comprenait, donc il savait des groupes algébriques, des variétés abéliennes, et il avait participé au séminaire de Grothendieck SGA3, pas, je pense, le SGA2, mais SGA3, SGA4. Donc il savait beaucoup de géométrie algébrique, et il y avait aussi avec lui, il y avait d'autres jeunes que j'avais croisés aussi au séminaire Cartan, il y avait Verdier, qui était de 1955, promotion 55, avec qui j'avais discuté d'ailleurs un petit peu au séminaire Cartan à propos de mon exposé. Un jeune extrêmement dynamique, très ouvert, c'était magnifique. Et il y avait aussi Giraud. De Masure, en fait, était de la même promotion aussi, 55, mais De Masure était déjà parti à Strasbourg. Et donc, je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Et il y avait ces jeunes. Il y avait aussi, bien sûr, des mathématiciens plus âgés. Bien sûr, Dieudonné, qui était toujours présent et qui m'impressionnait beaucoup. Il y avait également, je me rappelle, Samuel et Néron. Samuel était beaucoup plus âgé, il était de la promotion 1940, Néron également promotion 43, donc à peu près de l'âge de Serre. Et Samuel avait déjà plus ou moins son œuvre mathématique derrière lui. Il avait fait des travaux de première importance sur les singularités et sur l'algèbre commutative. Il avait écrit un très gros traité avec Zariski. Et il y a la fonction de Hilbert Samuel. Ça, c'était des choses qui remontaient avant 1960. Et puis, Néron, qui venait coup sur coup, qui allait essentiellement écrire 2 articles majeurs
en 64-65 sur les modèles qui portent son nom, les modèles de Néron, et les hauteurs canoniques pour les variétés abéliennes, les hauteurs de, qu'on appelle maintenant les hauteurs de Néron-Tate, parce que Tate les avait indépendamment introduites. Et donc, il y avait ces deux mathématiciens. Bien entendu, il y avait aussi, de temps à autre, mais il ne venait pas régulièrement, il y avait Serre. Et, je me rappelle, un peu plus tard, non seulement il y avait le thé, où l'on discutait, après les exposés, mais aussi, Grothendieck m'avait suggéré de venir avant, pour le déjeuner, à la cantine. Et donc là, j'assistais à des discussions passionnées. Je me rappelle, discussions notamment à Grothendieck, Serre, Tate, qui venait de Harvard, Tietz, qui était à Bruxelles. Et c'était des discussions qui me passaient par-dessus la tête. En réalité, Grothendieck a toujours en quelque sorte un coup d'avance. Et l'objet de ces discussions à table, ce n'était pas le sujet de son séminaire, c'était pour plus tard. Il pensait déjà au séminaire dans 2 ans ou 3 ans après. Et ça reflétait plutôt la correspondance qu'il avait avec les uns et les autres, notamment sa correspondance avec Serre. Bref, il y avait une ambiance extrêmement entraînante. Alors, j'ai parlé de quelques nobles étrangers, et il y avait aussi un jeune un peu étrange que j'ai remarqué en janvier 65. Bon, il était timide, réservé, quelqu'un que j'ai pris pour un lycéen ou un collégien. Je me suis présenté, on a engagé la conversation, j'ai demandé « Mais qui êtes-vous ?» Pierre Deligne. Ah, et je lui ai demandé « Mais venez d'où ?» De Bruxelles. Donc il avait une bourse pour l'année. Et c'est Tietz qu'il avait introduit à Grothendieck à l'occasion d'un séminaire Bourbaki en décembre 64. Donc en 65, il suivait le séminaire de Grothendieck. Alors je lui ai demandé, parce qu'il faisait très très jeune. Bon, il avait 4 ans de moins que moi, il avait à peine 20 ans. Mais il faisait beaucoup plus jeune que ça. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quoi est-ce que vous travaillez? Alors il m'a répondu, la descente galloisienne. Alors je lui ai demandé, la descente galloisienne. C'était un cas particulier des théorèmes de descente de Grothendieck, descente fidèlement plate, etc. Mais je me demandais bien ce que ça pouvait avoir d'intéressant. Bon, j'ai vite compris, dans les séances suivantes, et à mesure que je le connaissais un petit peu mieux, que le jeune Deligne en savait beaucoup plus long qu'il ne le laissait paraître. Et en fait, il savait déjà tout. Et non seulement il savait déjà tout en géométrie algébrique, en théorie des groupes algébriques, partout, mais aussi il était capable, on lui posait une question, il la résolvait instantanément. Je me rappelle que Grothendieck séchait affreusement sur certaines questions presque ensemblistes, théorie des topos, trouver des topos non vides sans points, question de comparer deux flèches définies de deux façons différentes, on demandait si elles étaient égales ou pas, intordables. Eh bien, en un tournemain, il résolvait ça. Et donc, c'est une amitié qui est née à ce moment-là, et qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Et on se voyait assez souvent le dimanche. Je me rappelle qu'il venait à la maison. J'apprenais avec lui. Je lui posais des questions, il résolvait. On se promenait au parc Montsouris, il me racontait plein de choses très intéressantes. Et pour en revenir à la descente galloisienne, en réalité, je crois qu'il il pensait déjà à quelque chose de bien plus ambitieux, qui est une théorie qu'il allait développer, qui s'appelle la descente cohomologique,
d'un procédé de recollement dans les catégories dérivées et qu'il allait ensuite exploiter dans son travail sur la théorie de Hodge. Et donc, on avançait dans le séminaire et il y avait en 65-66 une deuxième partie du séminaire qui était consacrée plus précisément à la formule de Grothendieck, la formule des traces, un énoncé fondamental qui allait servir pour bien sûr jouer un rôle crucial pour la démonstration des conjectures de Weyl. Et Grothendieck avait donné tous les détails. Les séminaires ont continué. 66-67, ça a été un séminaire un peu différent. Grothendieck était revenu sur le théorème de Riemann-Rohr qu'il avait démontré à la fin des années 50 et avec Berthelot et moi avait décidé d'organiser un séminaire là-dessus dans un cadre bien plus général que ce qu'il avait fait à la fin des années 50. Et en particulier, les choses qu'il m'avait expliquées dans notre premier entretien, les complexes pseudo-cohérents et hors dimension finie réapparaissaient et ça devait devenir les complexes parfaits qui ont joué un rôle assez important dans une quantité de questions de géométrie algébrique ensuite. Et donc, Grothendieck nous laissait un petit peu libre de faire des exposés. Donc, j'avais une grande série d'exposés, Berthelot aussi. Et puis, d'autres ont participé également, dont Reynaud. Kleinman est venu à ce moment-là, qui venait de MIT. J'ai fait sa connaissance. Et puis, Serre a fait également un exposé. Donc, c'était un séminaire magnifique. Et Orsay dans tout ça? Eh bien, Orsay, ce qui s'était passé, c'est que en 65, donc Néron et Samuel avaient été nommés à Orsay. Ils venaient de Paris, je crois, de la Sorbonne. Et puis en 66, alors étaient nommés Giraud, Verdier, De Masure. Et en 67, c'est Reynaud à son tour qui a été nommé à Orsay. Donc c'était la constitution d'un premier noyau très, très solide. Alors en 67-68, un séminaire est organisé par Reynaud et Giraud et De Masure sur les schémas abéliens, variété abélienne, schéma abélien. C'était un très beau séminaire. Les organisateurs ont fait des exposés. Deligne y a fait aussi un exposé. Tous les exposés ont été rédigés. Malheureusement, le séminaire a duré aussi près d'un an. Malheureusement, à la fin, quand il a été question de publier le séminaire, on s'est aperçu que Mumford était en train d'écrire un livre sur les variétés abéliennes. Et alors, Reynaud a dit « Oh, ben, c'est pas la peine, hein, le livre de Mumford va remplacer tout ça. » En réalité, il se trompait parce que le livre de Mumford ne traite qu'une petite partie de ce qu'on avait fait dans le séminaire. Et si on l'avait publié, il y aurait eu certainement des chevauchements, mais il y avait des grandes parties essentielles qui n'étaient pas traitées dans le livre de Mumford. Mumford le reconnaît d'ailleurs dans l'introduction de son livre, notamment schéma abélien, functeur de Picard, schéma abélien dual, etc. Malgré tout, tout n'est pas perdu parce que le séminaire se trouve à la bibliothèque. Et il est même accessible par Internet, si on cherche bien. Mais il faut dire aussi qu'en 67-68, il y avait de la concurrence.
parce qu'il y avait aussi le séminaire de Grothendieck qui continuait. Et c'était son dernier séminaire, SGA 7. Il y avait deux parties, dans 67-68, c'était monodromie locale et réduction semi-stable des variétés abéliennes, et puis 68-69, c'était cycle évanescent, cycle proche, pinceau de Lefschetz, etc. Dans la deuxième partie, c'est bien sûr deux lignes et quatre qui ont joué un rôle prédominant, alors que c'était Grothendieck dans la première partie. Et bien entendu, le centre était plutôt encore une fois Bur. Alors, je dois dire que également, il y avait d'autres choses qui se passaient, qui allaient influer sur l'orientation de mes propres recherches et puis aussi de la géométrie algébrique à Orsay. En 67, Grothendieck a fait des exposés sur une toute nouvelle théorie, la cohomologie cristalline. Et donc c'était une variante de la cohomologie de Durham, qui elle était assez bien connue, et où il avait prouvé quelques années auparavant des résultats essentiels, notamment que pour les variétés lisses sur le corps des complexes, la cohomologie de Durham algébrique calcule la cohomologie de Betti. Et donc là, il s'agissait de la caractéristique P, et une sorte de relèvement formel ou abstrait de cette cohomologie de Durham, c'était la cohomologie cristalline. Et donc c'était tout nouveau, c'était très excitant. On allait avoir une cohomologie p-adique à côté pour P un nombre premier, égal à la caractéristique, alors que les autres cohomologies, L a dit que c'était pour des nombres premiers, L, différent de la caractéristique. Donc on allait en quelque sorte boucher le trou en P. Donc ça, c'était très important. Et puis aussi, à peu près vers la même époque, Grothendieck, je me rappelle un jour, dit à Verdier, écoute, j'ai une idée pour quelque chose que j'ai envie d'appeler les motifs. Je vais essayer de te raconter ça. Alors, j'étais là, donc je suis venu aussi. Donc, il nous a raconté informellement ses idées sur les conjectures standards, enfin, ce qui allait devenir les conjectures standards et les motifs. Ensuite, il a fait des exposés en forme, à Bur, là-dessus. Et bien sûr, ces conjectures ont attiré beaucoup d'attention et sont toujours aussi indémontrées aujourd'hui qu'elles l'étaient en 1967. Et simplement, les exposés que Grothendieck avait faits sur la cohomologie cristalline ont été rédigés. Et alors là, on voit paraître quelqu'un qui devait jouer un rôle à Orsay ensuite. C'est Coates. Coates, avec un Finlandais du nom de Jussila, a rédigé ses exposés de Grothendieck sur la cohomologie cristalline. Et ça reste encore une bonne introduction au sujet aujourd'hui. Par ailleurs, Grothendieck avait proposé à Coates de rédiger ses exposés sur les conjectures standards. Mais Grothendieck n'était pas très commode, je dois dire. Moi, ça ne me dérangeait pas qu'il corrige mes rédactions, qu'il me propose de tout revoir, tout refaire. Coates était plus susceptible. Donc finalement, le courant n'a pas passé. Et un jour, Coates a dit « Bon, je rends mon tablier ». Donc c'était fini. Et donc à la place, c'est Kleinmann qui a rédigé les exposés sur les conjectures standards. Il y avait d'ailleurs un très très beau travail. Et donc, malgré tout, j'avais noué des relations avec Coates, une relation très amicale, et aussi avec Kleinmann, et on est resté amis jusqu'à maintenant, bien sûr. Et alors, que se passait-il à Orsay? Eh bien, après le séminaire sur les variétés abéliennes, pas grand-chose. Et on arrive à la fin des années 60. Donc, Grothendieck, à partir de 68, avait déjà d'autres préoccupations, préoccupations écologiques,
Et en 70, il se brouille avec l'IHES, il quitte l'IHES. Il a, bon, pour des raisons de crédit militaire, je crois, et il prend un poste au Collège de France pour 2 ans, de 70 à 72. Donc, il va enseigner au Collège de France. Et que va-t-il se passer? Que vont devenir nos trois mousquetaires, c'est-à-dire Giraud, Reynaud et De Masure? De Masure était arrivé en 66, en même temps que Giraud et Reynaud à peu près. Et donc, qu'allait devenir nos trois mousquetaires? Et aussi le quatrième, votre serviteur, hein, qui allait ensuite aller à Orsay. Enfin, ça, peut-être, on le verra dans le prochain épisode.